Wistiti, des champs de... Des champs de rien, voilà. Aujourd'hui, tu es un champ de rien, désolé. Aujourd'hui, on va vlogger puisque nous allons sur Harrison Island. Et du coup, bah, c'est une espèce d'île et pas vraiment une île non plus. Enfin, c'est assez spécial. Salut! C'est assez spécial puisque en fait il y a un petit pont pour aller de l'autre côté donc sur l'île et un petit pont pour aller encore de l'autre côté, donc en fait c'est une île mais il n'y a pas besoin de prendre un bateau ou un ferry ou quoi que ce soit pour y aller, donc c'est cool, c'est facile d'accès et on va aller visiter tout ça. Apparemment il y a des animaux assez sympas sur place et du coup c'est un peu pour ça qu'on y va. J'ai actuellement très mal au bras, cette caméra est vraiment beaucoup trop lourde, il me faudrait une caméra de vlog. Ah, j'ai mal au bras. Ouh, je deviens toute blanche. Bon ben là, je crois que Jay est super heureux. Oui, il est tout petit. C'est un bébé skatepark. T'es content? Trop bien. Ah, fais me péter la gueule. Aide-moi. Merci. Bon bah un petit peu déçu quand même là. Ben oui, mais en même temps on n'est pas venu pour aller au skatepark. Oh regarde, c'est une bite. Voilà, bon, on y va. Mes petits canards, ils sont trop jolis. Regardez comme ils sont jolis les canards ici. Bonjour vous, vous êtes beau, waouh. Ça va mon chat, t'es déjà fatigué? Je me fais attaquer par les mouches. Ouais, il y a tout le temps des mouches, c'est chiant. T'es un peu moche hein? Non, c'est pas après ça. Salut. J'ai peur que ce soit un fail, en fait il y a des barrières, ça a l'air fermé de ouf. Peut-être qu'il y a des horaires? Je pense plutôt que c'est pour empêcher les kangourous de sortir. Tu crois? Mais alors, peut-être que c'est des barrières que les humains peuvent ouvrir. C'est ça. Oh, ce serait trop bien. Moi, je veux rentrer, je veux voir les animaux. Ah, génial. Ah, putain, ça me fait un petit peu peur et tout. Ouais, je suis toute... Je suis un peu stressée, là, tout de suite, parce que, du coup, il faut ouvrir une barrière avant de venir. Et du coup, je me dis, bah, on n'est plus chez nous, là. On est dans le monde des animaux et c'est la loi de la jungle. Ça me fait trop peur. J'imagine, genre... Les kangourous ils vont nous attaquer, ils vont nous faire du mal et tout. Et moi ça me fait peur parce que moi j'ai peur des animaux. Mais je les aime bien, moi j'ai peur des animaux. Ah mon dieu, on est rentré. Je suis rentrée, qu'est-ce que tu fais là derrière toi? Tu me laisses là? Juste un plan. On est en mode Jurassic Park, tu m'abandonnes dans le parc aux dinosaures. Je suis la chèvre qui va laisser tomber une petite jambe. On y est. Je suis trop excitée. Ah, moi j'aime les animaux, je veux les voir. L'espèce de plage est déjà méga différente de l'autre côté. Ah, j'ai failli tomber. Chat, il y a des huîtres partout. Viens voir. Chat, t'as vu, il y a des huîtres partout. J'avoue. Juste de l'autre côté de la barrière, il n'y a rien du tout. Et ici, il y a full truc, c'est abusé. Genre, ah, j'ai failli tomber. Ah. Au secours. Genre, ouais, c'est carrément un autre monde, mais d'un coup, quoi. Tu passes une barrière et t'es ailleurs. Viens voir, mon amour, viens voir. Vite, 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 viens. Vite. Regarde. C'est des briques à l'état sauvage. Putain. Comme t'as couru pour rien. C'est trop joli. On dirait que genre Simba, il va sortir d'un coup. Regardez la vue qu'on a, genre t'as la full nature, mais vraiment hyper sauvage. Et derrière les grands bâtiments, les grands hôtels de luxe et tout, enfin je trouve ça incroyable. C'est vraiment un contraste de dingue, je trouve ça vraiment joli. C'est beau hein. Mm-hmm. Vous avez vu ces arbres? On dirait qu'il y a eu un ouragan ici, c'est trop joli. C'est joli les ouragans, j'adore. Waouh, j'espère que j'en vivrai un dans ma vie, ou pas. T'es tombé sur quoi? Un trou de serpent. Fais gaffe chat. Regarde, il est énorme. C'est genre un... J'allais dire un baobab. C'est genre un baobab. Non, j'arrive pas. Mon amour. Ah oui. Putain, c'est ouf, grand. Regarde. C'est peut-être pas un serpent, mais pas Tam. Mais c'est bon, je voulais montrer à quel point c'est grand. On est en train de marcher super vite parce qu'il y a un groupe derrière nous, ils sont avec un enfant. Les enfants, ça fait beaucoup de bruit et ça fait surtout en général un peu peur aux animaux quand ils se mettent à pleurer et à gueuler. Et le fait, c'est que cet enfant gueule. Et du coup on marche beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas envie de, enfin voilà, qu'ils fassent peur aux animaux au moment où nous on les rencontre. Du coup bah on va éviter d'être trop près d'eux, voilà, simplement. C'est beau, regarde ça. C'est trop joli, genre c'est vraiment un paysage désolé, j'aime trop. On dirait que la nature a abandonné quoi. C'est bon, Yameru. De ma vie je n'ai jamais vu un truc aussi bizarre. Je vais m'approcher, j'espère que je vais pas me faire bouffer par une araignée géante dégueulasse. Waouh, il est super. Viens voir chat, c'est trop bizarre comme animal. Genre, on dirait limite un dinosaure le truc. Hé là! On dirait trop un dinosaure, c'est abusé. Un tout petit dinosaure, mais un dinosaure quand même. Ouais, c'est Jurassic Park de ouf, il y a des oiseaux hyper vénères ici. T'entends ça? Ils font peur. C'est des ptéras. Mais putain, j'arrête pas de me faire agresser par des mouches. Je veux vivre. J'ai mon âme. Ça va. Ok. Tu veux des hein? Putain, t'es nul. J'en ai marre de ce mec et ses blagues à deux balles de gamin de 3 ans. Pan, pan.
Aidez-moi, s'il vous plaît. Je veux quitter cette table, je ne sais pas comment. C'est trop joli. Bonjour, monsieur le pioupiousme. Bonjour. Oh, il y a un volusme. Au revoir, monsieur le pioupiousme. Vous savez, la construction de ce bâtiment, ça a fait un vrai coup d'état. T'as vu mon chat, c'est une illception. Regardez, il y a un kangourou. Il est juste là. J'en ai jamais vu de ma vie, c'est la première fois. J'ose pas trop m'approcher. Oh. Oh mon dieu, c'est un vrai. C'est un vrai, genre en plastique, c'est. T'oserais t'approcher, ils ont beaucoup de force, hein. Oh, je suis choquée de voir un kangourou pour du vrai. Oh, ces petites patounes, elles sont trop choues. Il a l'air calme. Je suis trop impressionnée là, c'est abusé. Waouh. Ça l'intéresse pas trop, Osme. Oh, trop bien, trop bien. Après ce rejet inattendu, Jason, 25 ans, se perdit dans les méandres de la Dark Side. Il tomba dans l'alcool et la drogue et s'étouffa dans son vomi, laissant sa femme et ses trois orphelins hériter de ses dettes de jeu. On lui donne un nom, on l'appelle Rex, Kangourex. Hé là, il y en a encore un. Hello toi. Il a l'air plus grand, je sais pas si c'est vrai, s'il est réellement plus grand ou si c'est juste une impression, mais... Salut mon pote. À la compote. Bonjour toi. Il est alerte, hein. À Malibu. Il va s'approcher, il est trop courageux mon amoureux, moi j'ose pas, hein. T'as des moustiques? Des fourmis. Des fourmis. Ça va? Il y en a blindé, elle me pique. T'es sûr que c'était pas une veuve noire? Alors, on a vu deux kangourous par ici. Genre, ça fait un peu peur, hein. J'ai pas envie de m'enfoncer dans les marécages. Oh là là. Oh, la terre, elle est rouge de ouf, t'as vu? Waouh, c'est joli. On va par où, par là? J'ai peur. Oh mon dieu, j'ai peur. La meuf la plus flippée du monde, genre, je suis la grosse campagnarde. Mais alors, j'ai trop peur de la nature en même temps, tu vois. Regardez, ils sont juste là. Il dort. Enfin, il essaye, mais il y a ces horribles oiseaux qui font du bruit. Oh, chouchou. Il est calme en plus, hein. Wow. Et on a juste un à côté qui se pose tranquille. Ils ont vraiment des bonnes têtes, hein. On dirait des petits lapins. Enfin, des grands lapins, du coup. Les gars, je viens de caresser un kangourou pendant bien, allez, combien de temps? Au moins 3 heures. Non, allez, pendant bien 5 minutes et c'était trop trop bien. Il était tout calme, il était tout posé. Je crois qu'il a bien aimé mes petites caresses et tout. Et quand je suis partie, il était à moitié en train de se lever en me regardant. Je reviens, s'il te plaît, caresse-moi encore. C'était trop un moment hyper dingue. Genre, c'est hyper dingue d'avoir des animaux un peu sauvages comme ça qui se laissent faire par les humains et qui. Enfin, tu vois que tu peux être vraiment en adéquation avec la nature dans des moments comme ça. Moi, je trouve ça vraiment trop cool. Franchement, je trouve ça incroyable. J'ai même plus envie de me laver la main. Vous tracassez pas, c'est pas les kangourous qui sont sales comme ça. C'est juste qu'on a dû marcher dans la boue et du coup, on en a un peu partout. Ouais, c'est juste incroyable. Je suis trop heureuse. C'est un peu comme un accomplissement, là. Ouais, franchement, c'est comme un accomplissement. C'est vrai. Ça fait plaisir. Ouais. On dirait deux bébés. À fond, on est là. Oh mon dieu. Putain, encore un kangourou. Là, c'était genre juste le premier, quoi. Ça fait vraiment plaisir. À fond, peut-être dans un moment, on se dira putain, c'est encore eux, ils sont chiants. Là, comme avec les dents au Japon, tu vois, la première fois, tu les aimes trop. Et après, t'es là, t'es en mode, mais putain, arrête de bouffer mon t-shirt. Je t'aime pas, casse-toi, tu vois. Bah, je crois que. Putain, mais cassez-vous. J'ai l'impression que j'ai un truc dans ma veste. J'entends des bruits trop bizarres. Ah ouais? Ouais, j'entends des bruits comme s'il y avait une mouche coincée dans un sac poubelle, tu vois. Sac ou bas, ce serait ma vache et la mouche serait dedans. Voilà mes Tiwis Titi, cette aventure du jour est maintenant terminée. Enfin, un petit résumé peut-être de la journée. Enfin, même si vous avez tout vu, mais comme ça, on se remémore tout. Je me sens trop bien. Hein. Ouais, c'était C'était vraiment super cool. On s'est vraiment
bien m'amuser, mais sans, vous savez, amuser, mais pour du vrai, dans la vraie vie, avec des vraies choses et des vraies activités et des animaux et la nature. Et c'était juste magnifique. On a vraiment vu de très belles choses et c'était très dépaysant. Puis il y avait les kangourous et j'ai découché. Et le soleil qui revient enfin alors que normalement il devait pleuvoir, franchement ça fait super plaisir. Ouais, juste au moment où on s'en va en fait, t'as du soleil et ouais. Ça fait vraiment genre, tu t'en vas dans une bonne optique. Une bonne atmosphère, ouais. D'accomplissement ouais. Réel. C'est vraiment trop cool, on se sent super bien et bah du coup on va vous faire de gros bisous. Vous laisser là-dessus sur cette incroyable vidéo, sur cette journée merveilleuse qu'on a passée tous les deux. On vous fait de gros bisous et on vous dit à n'importe où. Quand dans n'importe quoi. Quelle vidéo. On vous dit à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut.